Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Femmes d'impact des églises ICC Europe, c'est pour vous. Les Femmes d'Impact vous convient à la retraite des femmes Intercampus Europe, un événement incontournable qui se déroulera sous le thème « Monte ici et je te ferai voir » Apocalypse 4.1. Êtes-vous prête à vivre une expérience divine remplie de bénédictions et de rencontres spirituelles? Alors rejoignez-nous pour ce moment unique dans la présence de Dieu avec des temps de prière, de partage et d'édification. Alors, ne laissez pas cette opportunité passer. Bloquez vos agendas du vendredi 22 septembre à partir de 22h jusqu'au samedi 23 septembre à 17h. Rejoignez-nous en présentiel à la Cité Royale, située au 21 rue des Vieilles Vignes à Croissy-Beaubourg, avec la participation du pasteur Maude Castanou. Chères femmes d'impact, procurez-vous dès maintenant vos places pour la retraite des femmes directement en ligne en flashant le QR code ou au stand prévu à cet effet situé dans le hall principal de la Cité Royale ou à l'extérieur sur le parvis est. Notez que cette retraite se fera uniquement en présentiel, il n'y aura donc pas de diffusion en ligne. Chères femmes d'impact, rejoignez-nous pour une expérience inoubliable dans sa présence. Que le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes, ces derniers jours ont vu naître le mouvement d'évangélisation appelé à la conquête. L'objectif, insuffler un élan d'audace et de foi à tous ceux qui sont prêts à témoigner et parler du Seigneur en évangélisant dans les rues. Trois étapes clés ont orchestré ce mouvement. 1. Une formation pratique sur l'évangélisation, l'occasion d'être bien préparé à l'évangélisation dans les rues. 2. Des temps d'intercession pour recommander le programme, mais aussi soutenir par la prière tous ceux qui ont répondu à cet appel. 3. L'organisation de la première sortie à la conquête dans les rues de la ville de Marne-la-Vallée. Pour cette première, près de 500 personnes se sont rassemblées sur la place de la gare au son du gospel, suivies de messages et de témoignages en plein air. On est vraiment heureux d'être là. Regardez, il y a du monde qui est en train de se préparer, en train de faire le brief, et tout ça pour la gloire de Dieu, et c'est juste incroyable. De voir ce que Jésus-Christ va faire dans la vie des gens, le salut qu'il va opérer dans la vie des gens, et le réveil que ça va engendrer dans l'Église de Jésus-Christ. Bah, c'est toujours une joie de pouvoir aller apporter la parole de Dieu et de toucher les cœurs, vraiment d'y aller avec sincérité, y aller avec amour aussi. Donc là, on est en train de s'entraîner là, pour savoir ce qu'on va dire aux gens, etc. Et on est dans l'expectative parce qu'on sait que Dieu va toucher des cœurs, que des semences vont être semées, que des vies vont être transformées déjà, que Dieu va étendre sa main et que plusieurs guérisons vont s'opérer par la grâce de Dieu. Par groupe de 2 à 4, chaque participant témoignait de manière simple de ce que Jésus avait fait pour eux et priait sur place en cas de besoin. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai évangélisé. Franchement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est super simple. Et c'est vrai, quand le pasteur nous explique qu'on a déjà reçu et qu'il suffit juste de faire le premier pas, et bien en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, je l'ai expérimenté. C'est comme quand on fait du vélo. Au début, on est un peu en mode est-ce que je vais avancer? Mais après, ça va tout seul. Et j'étais vraiment surprise et agréablement surprise de voir que je pouvais le faire depuis longtemps et ça fait tellement du bien. Je suis pas en train de dire ça pour vous vendre quelque chose, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté aujourd'hui. Il faut vraiment évangéliser et ça fait partie de ce pourquoi on est sur Terre. Merci Seigneur pour cette première sortie du mouvement à la conquête. Rendez-vous pour la prochaine sortie le samedi 16 septembre. Afin d'être spirituellement prêt à entamer ce mois de septembre, cette semaine, nous avons eu les 24 heures de prière non-stop, suivies de la veillée spéciale famille dans une atmosphère fervente à la Cité Royale et plusieurs églises connectées. Tous sans exception sont venus recommander cette nouvelle rentrée. Alors, nous sommes venus ce soir pour rendre grâce à Dieu.
et pour recommander cette année 2023-2024 entre les mains du Seigneur. Nous attendons à la main de Dieu sur nos enfants, que l'huile coule sur nos enfants et qu'ils soient vraiment couverts du sang de Jésus, que le Saint-Esprit les accompagne pendant toute l'année scolaire. Je prie pour que le Seigneur m'accorde la grâce de réussir mon année et de passer en classe supérieure. Et par la bouche de son serviteur, l'apôtre Yvan Castanou, le Seigneur a fait du bien à une multitude par des paroles conduites par l'Esprit. Écoutons quelques témoignages. Quand le pasteur a commencé à parler de la famille, des parents, et qu'il a demandé de pardonner à ses parents et de lâcher l'amertume qu'on avait dans le cœur. J'ai pointé du doigt mon père, j'ai pointé du doigt ma mère. Il y a des ados qui pensent ça déjà aujourd'hui, qui pointent du doigt. Alors ce qui est triste, c'est que chaque fois que tu pointes du doigt envers tes parents, je t'assure, tes enfants à toi vont te pointer du doigt aussi. Malheureusement, c'est ça que toi aussi tu vas récolter. Parce que ce que tu as planté le blâme, tu récolteras le blâme. Alors adolescent, là où tu es, si tu ne veux pas que toi aussi un jour, on te pointe du doigt, décide de retirer ton doigt et décide de demander à Dieu pardon pour ceux qui t'ont offensé. C'est le remède. Ce n'est pas ce qui va changer ton père ou ta mère, mais c'est ce qui va te changer toi et empêcher l'esprit qui s'est emparé de ton père ou de ta mère de s'emparer de toi. Je me suis retrouvé à cracher à tous ces efforts et j'ai été quasiment projeté à terre et j'étais à plat ventre. Et on a continué à prier, on a continué à prier en langue. Et ensuite, quand je me suis relevé, j'ai senti que j'étais plus léger, qu'il y avait un poids qui était enlevé de mes épaules. Dieu m'a visité, il m'a fait du bien, il m'a délivré. Là où hier j'étais lourd, plein de fardeaux sur mes épaules, il a déchargé mon fardeau, il a déchargé le joug de l'ennemi, et il m'a fait du bien. Voilà maintenant, plus léger, comme un autre homme, comme une meilleure version de moi-même. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs, je rends grâce à Dieu pour son serviteur, et toute la gloire et tout l'honneur lui reviennent au siècle des siècles. Amen. Hier, quand on est venu à la prière des familles, et pendant que tu parler de libérer les personnes de leur cœur, je me suis mise à prier. Alors, la seule solution, c'est que tu dois laisser partir. Tu dois laisser partir les gens que tu retenais. Tu dois laisser partir les offenses. Tu dois laisser partir les blâmes. Mais reconnais que ça t'a fait du mal. Ne dis pas ça m'est égal. Non, il y a des blessures à l'intérieur de toi. Et ça ne peut pas cicatriser. Parce qu'il n'y a que le doigt de Dieu qui peut cicatriser ça. Alors Dieu me dit ce soir, enlève le pansement. Il veut toucher. Alors, là où tu es, discrètement, parle à Dieu. Et le Saint-Esprit réellement a touché mon cœur et a parlé. Il m'a montré des personnes que j'avais mises dans l'indifférence. Pour moi, j'avais pardonné, que j'avais oublié, mais que réellement, je ne les avais pas libérées de mon cœur. Et oh, Seigneur, merci. Et vraiment, j'ai senti quelque chose quitter mon cœur, m'alléger. J'ai senti cette pointe quitter mon cœur. J'ai senti l'engourdissement de mon côté gauche s'effacer. Merci Seigneur. Et vraiment, pasteur, Dieu est fidèle. Je le reconnais encore. Merci, merci infiniment. Et donc ce matin encore, on a pris le temps de pouvoir louer, adorer, glorifier Dieu. Et vraiment, je dis encore merci. Merci pour la grâce qu'il m'a faite à moi de pouvoir te rencontrer un jour. Merci, merci infiniment pour cette famille, CC. Merci infiniment pour Maman Maud. Merci infiniment pour vos vies. Car réellement, le prix que vous payez, nous le voyons dans nos vies et nous le voyons dans la vie de nos familles, de nos enfants. Vraiment, pasteur, que Dieu se souvienne de vous. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour ces moments glorieux où nous avons été irradiés par sa présence. Continuez à partager vos témoignages en envoyant un message au numéro WhatsApp suivant 06 62 10 62 11.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.